Bonjour et bienvenue à Comment bien se préparer pour. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment bien se préparer pour perdre son hockey. Ça y est, je suis prêt. Ah, j'ai retrouvé le palais, il était sous la commode. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, on fait pas un sujet sur le hockey? Oui, mais le hockey, pas le sport. Ah, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le hockey est un phénomène assez étrange. À partir du moment où nous l'attrapons, nous faisons tout ce qui est possible pour le perdre, et une fois qu'il a disparu, on se demande tous comment il est parti. On a presque une sensation de manque. Bref, il existe plusieurs façons de perdre son hockey. Les plus connues sont par exemple de boire un verre d'eau en se retenant de respirer. Ou bien... Ouaha ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah c'est une technique ! Bah oui mais il suffit de la dire, j'ai pas le hockey moi ! Ah ok... Ouais, ok. 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 Okay.